Non, mais à l'école de l'humour, ce qui arrive, c'est que moi, je m'en allais en voyage, OK, okay. À un certain moment pendant la deuxième année. Et puis, j'avais mon passeport dans mon sac à dos, OK? Et il a échappé son café dans mon sac à dos, ben c'est-à-dire oui. dans mon passeport. Ben oui. Et à ce moment-là, moi, il fallait que j'aille rapidement refaire mon passeport. Ça m'a coûté un prix de fou. Je le détestais, je l'aurais tué. Puis quand l'école a fini, il a gagné la bourse d'excellence. Fait que là, j'avais besoin de lui, fait que je l'ai appelé. J'ai dit « Hey, ça te tenterait-tu de m'aider? » Parce que j'ai besoin d'aide pour un numéro. Puis à ce moment-là, l'amour est embarqué. Je sentais super mal, fait que j'avais comme pas le choix de dire oui, évidemment. Ouais, non, c'est clair. Quelqu'un que t'as passé à ça de gâcher son voyage. Parce que pas gâcher ton voyage, mais gâcher tout ton avant-voyage. C'est le moment où t'es content. Surtout à l'école. Ouais. Tu sais, tu fais pas beaucoup d'argent. Ouais. Là, t'es comme Chris, ah, OK, je vais décrocher de. C'est-tu un tout inclus que t'allais? Mais t'allais où? Hein? C'était quoi le voyage? C'était-tu Costa Rica ou Haïti? C'était en Haïti. Peut-être Haïti. Puis c'est d'ailleurs le numéro qu'on a travaillé, le premier numéro. Oui, le c'est Haïti. C'est Haïti. Avec Wyclef Jean. Que j'ai pris Wyclef Jean dans mes bras puis tout. T'allais-tu en Haïti faire un show ou t'allais en voyage? En fait, j'allais avec Antonio Dilala, qui est un prof de l'école de l'humour, qui lui, okay. il va avec Action Haïti, qui est comme un OSBL, où est-ce qu'il va ramasser de l'argent pour la francophonie. Il y a d'abord pour la francophonie école. Là-bas pour, okay. Elle se fait détruire, avec les retours, la rebâtir, puis la redétruire. Puis en tout cas, il travaille fort. C'est tout le temps la même estime d'école. Fait que il me. Ça fait 6 fois qu'il vient, il fait le même mur tout le temps. On va y arriver un moment. Mais c'était pour. Et puis moi, j'ai fait des shows de clown là-bas. OK. Ah, oh, ouais. Ouais, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. T'avais-tu déjà fait ça? Fait que toi, t'es allé en Haïti. Je me suis mis une perruque sur la tête. Fait semblant que j'essayais de tuer un coq avec un balai parce que là-bas, j'essayais d'aller dans un référent parce qu'eux, ils n'avaient jamais vu. Non, mais c'est con, mais eux, ils n'avaient jamais vu de spectacle de leur vie où est-ce qu'on est allé. C'est dans la montagne, on montait à pied, c'était terriblement long. Puis eux, ils n'avaient jamais vu ça. On avait des ballons, des boas, puis tout ça. Eux autres, quand on leur a donné les ballons, on pensait qu'ils allaient faire comme « Ah! » Non, toute la gang. Ils ont toutes pété. Ils nous arrachaient les boas. T'sais, les autres, ils savaient pas c'était quoi. De tout s'asseoir puis regarder à la même place un spectacle. Fait que nous autres, on a fait des petits référents là de là-bas. Là, t'sais, la mère qui se lève fait comme « Faut aller à l'école! » T'sais, on faisait des spectacles avec Sacha puis Marie-Hélène. C'est un beau moment. Vous faisiez des... Ouais, vous faisiez des... Pour vrai, tu me racontes ton voyage puis moi et toi, je ferais comme « C'est calice. » J'aurais dû juste appeler et dire « J'ai plus de passeport! » Il a renversé un café de plus! Tabarnak, je peux pas être le clown des montagnes! J'ai tellement aimé ça, vous dire comment j'ai aimé ça. Tu faisais des chorégraphies de Marie-Mé et tout ça. On chantait. Moi, puis Sacha, on se mettait devant une classe de jeunes et on faisait « Mentir pour fuir son reflet dans le miroir! » Puis ils étaient tous comme... C'était extraordinaire. On a vraiment eu du fun là-bas. Je suis restée 3 semaines. Disons, là, vous avez fait du contenu aussi pour... On a fait du contenu pour Salvaire. Vous avez fait du contenu pour En mode Salvaire. Lui, il écrivait sur En mode Salvaire. Puis nous autres, on a fait des trucs avec des faux masques avec de la face de Salvaire. Fait que là, il se promenait avec la fausse face de Salvaire. Puis là, c'était « Connaissez-vous ce gars-là? » Puis là, c'était bien excitant. Puis là, finalement... Puis là, Sacha est sorti sa queue. Puis on fait « Oui! » Oui, c'est ça!